Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Daily FX, émission Wall Street Insider, avertissement légal sous vos yeux. Des chiffres américains sont attendus tout à l'heure, autour de 16h si mes souvenirs sont bons, c'est ce qu'on va regarder, des chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien. Donc ça ne manquera pas d'influencer la tendance du dollar américain. Aujourd'hui, le tableau il est assez complexe puisque le dollar américain continue de glissoter, une espèce de consolidation légèrement baissière en place depuis 2 semaines. Mais on a aujourd'hui je dirais, un ensemble assez inégal, puisque le GBP/USD lui est fort depuis la semaine dernière, il l'est encore. Aujourd'hui, l'AUD et le NZD bénéficient plutôt des chiffres du PIB chinois la nuit dernière, sans pour autant qu'on ait de mouvement hyper impulsif là-dessus. Et puis l'euro-dollar, eh bien, semblait avoir basculé d'un triangle vers un nouveau triangle, et on verra que l'ensemble reste assez. Finalement, ce sont des marchés de range, notamment ici sur la paire euro-dollar, ce que nous verrons donc en données 4 heures. Alors, quelques graphiques à vous montrer pour essayer de recadrer l'ensemble de ces éléments-là, essentiellement donc sur des graphiques intraday, mais laissez-moi avant tout vous montrer quelque chose. Ce sera simplement les quelques graphiques de long terme que je vais vous montrer aujourd'hui, puisqu'ils ne m'intéresseront pas tous. Finalement, il y a quand même un mouvement qui est assez intéressant, qui dure depuis 3 semaines et qui est globalement directionnel. C'est le mouvement qu'on observe sur l'once d'or. Donc voilà par quel graphique je commencerai, en vous rappelant que tout avait commencé par un support majeur à 1180 $. Et un avalement haussier ici, donc sur ces semaines de fin septembre, première semaine de mois d'octobre. Et donc cette hausse se poursuit sur les graphiques intraday, elle est très bien construite avec un signal de poursuite hein, qui a été donné hier, notamment le franchissement des 1240 $. Donc voilà, somme toute, c'est un marché qui semble en mesure de rejoindre 1270. Pourquoi je montre là l'once d'or? Parce qu'au moins là c'est limpide, et puis surtout c'est peut-être aussi la matière première, et peut-être pas seulement, puisqu'il y a quelque chose aussi d'intéressant qui se fait en intraday sur les pétroles, qui bénéficie de cette respiration du dollar US, car vous le savez, la corrélation négative est très forte, très marquée, entre la tendance du dollar US et les matières premières, notamment les métaux précieux, depuis le 1er juillet. L'euro, eh bien l'euro aujourd'hui est à la peine, dans le siège un peu de toutes ces rumeurs. Alors là aussi, bon, ça peut pas sembler très sérieux tout ça, mais une rumeur et puis une autre qui dit le contraire. Bref, on voit que ça spécule beaucoup sur ce que pourrait faire la Banque Centrale Européenne lors des prochains mois. Mais aujourd'hui, sur l'euro, il est plutôt sous pression, mais c'est pas non plus hyper directionnel. En clair, nous ne sommes clairement plus dans cette phase directionnelle que nous avions sur le FX tout au long de l'été. C'est un ensemble qui est vraiment compliqué à appréhender, et donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter et finalement intervenir au contact des points. Et c'est justement ces points qu'on va essayer de voir ensemble. En tout cas, donc voilà, l'once d'or, graphique hebdomadaire qui m'intéresse, et je pense que cette progression peut se poursuivre. Dans les autres graphiques hebdomadaires qui m'intéressent, eh bien, ce sont toujours ceux des indices boursiers, donc que je vais vous remontrer. Je pense, et on verra bien à la clôture hebdomadaire de ce vendredi, qu'on est toujours dans des marchés de pullback. Alors le pullback, c'est quoi? C'est venir retracer une jambe, entre autres ici cette jambe de baisse qui a eu lieu entre mi-septembre et mi-octobre. Le marché la retrace. Et quel est le premier objectif de ce retracement? Eh bien, ce sont ces points de décrochage ici de la première semaine du mois d'octobre. Alors, c'est 4100, 4150 points sur l'indice CAC 40, 9000, 9050 points sur le DAX 30 et enfin 3000, 3040 sur l'indice Eurostoxx 50, des objectifs de cours qui peuvent être atteints cette semaine. Par contre, voilà, la clôture sera importante, et mon opinion est que finalement le marché devrait afficher une clôture hebdomadaire en dessous de ces niveaux. Dans le cas contraire, eh bien, la reprise se prolongerait en direction de quoi? Eh bien, des moyennes mobiles à 30 semaines. Les moyennes mobiles à 30 semaines qui avaient été rompues fin septembre et qui sont quand même nettement au-dessus du niveau actuel des cours. Elles couvrent les cours, elles sont baissières, mais elles couvrent assez nettement les cours. Alors, pour le moment, eh bien, ces lignes de coude, ces structures en épaule-tête-épaule, elles sont encore au-dessus du niveau actuel des cours. Ça, c'est un peu le cadre de fond. C'est le graphique weekly. Donc, la clôture, elle est vendredi. Donc, on ne peut pas vraiment l'interpréter, le chandelier hebdomadaire que l'on a. C'est pourquoi on va passer donc sur des horizons de temps inférieurs et notamment sur l'horizon de temps 4 heures. Et finalement, ce que vous allez constater, c'est que le DAX, le CAC ou l'Eurostoxx 50 se ressemblent énormément. Voilà, donc sur les graphiques hebdomadaires, c'était plus ou moins les seuls éléments que je souhaitais vous montrer. Je vous rappelle aussi qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur le RSI Weekly des paires en dollars, notamment sur le GBP/USD. Donc c'est ce qui s'est traduit eh bien, par cette belle reprise depuis les 1,59, avec un mouvement qui pour l'instant tient le coup. Et la livre sterling reste quand même globalement bien orientée, sachant que la semaine
est chargé en ce qui concerne les catalyseurs de cette monnaie, donc un ensemble de statistiques qui concernent l'économie britannique. Vous avez d'ailleurs un papier sur le site qui revient sur ces éléments-là. Ce qui m'intéresse sur ces paires en dollars, et notamment donc sur ces graphiques hebdomadaires, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez similaire sur le GBP-USD, le NZD-USD, la UD-USD ou encore l'Eurodoll, ou encore le dollar index. Alors finalement, ça a profité essentiellement au GBP-USD. Le NZD-USD et la UD-USD bénéficient, eux, eh bien, alors bon, la UD-USD, on le sait, ce support majeur à 0,8660, là aussi c'est de l'analyse technique, c'est le niveau horizontal. Et puis depuis, donc on se reprend, on tient plutôt bien. Il y avait aussi une cassure haussière du RSI Weekly qui était intéressante, donc là elle date de vendredi dernier. On voit que le rebond se poursuit. On discutera ensemble, puisque je sais que vous avez soulevé la question dans les émissions de ce matin. Qu'est-ce que construit la UD-USD en intraday? S'agit-il d'un triangle symétrique, d'un simple range ou encore d'un diamant? Le fait de faire un choix parmi ces figures chartistes, eh bien, implique un biais. Parce que par exemple, le diamant, eh bien, c'est avoir un biais haussier. En clair, envisager la capacité de la UD-USD d'accélérer en direction des 0,90. Si on défend donc cette figure. Et ce qui, somme toute, n'est pas choquant, puisqu'il s'agirait de toute façon d'un simple retracement de cette phase de baisse verticale que le marché avait construit entre 0,94 et 0,86,60. On l'évoquera donc. Parmi donc ces phases de reprise technique des devises face au dollar US, nous avons toujours une figure intéressante sur le NZD-USD. Je pense que plus qu'un drapeau, c'est davantage un biseau ascendant. Alors ça permet de viser 0,8050. Le marché a fait 0,8030 hier. Bon, là aussi, on verra que même aujourd'hui, c'est pas non plus hyper directionnel. Mais bon, on étudiera quand même le graphique en données 4 heures. Alors, sur les graphiques weekly, autre élément intéressant, c'est bien sûr l'USD index, sur lequel d'ailleurs je vais revenir en utilisant plusieurs indices. Et puis nous avons toujours aussi le graphique hebdomadaire de l'USD yen, qui est intéressant avec finalement, donc on le sait, la sortie par le bas on avait une figure de distribution intéressante en dessous de 110. On verra finalement que le marché a fait un pullback sur. Alors bon, après c'est du chartisme, mais il est venu chercher la partie basse de cette ancienne figure en porte-voix. Et le voilà maintenant enfermé lui aussi dans quelque chose qui peut sembler peu directionnel entre 105,50 et je dirais les 107,30, 107,50. Alors on y voit malgré tout un peu plus clair en utilisant des graphiques intraday. Alors justement, j'y viens sur ces chartes intraday et je vais notamment essayer de décomposer avec vous ce que font les contrats de pétrole, UK Oil et WTI sur ces chandeliers 4 heures, car c'est potentiellement intéressant. On avait eu une première jambe de reprise, je crois que c'était le 16 octobre, sur ces contrats pétroliers. Alors la corrélation négative, elle est moins marquée avec le dollar US qu'avec les métaux précieux, cependant elle existe. Coefficient de corrélation sur 3 mois, il tourne autour de moins 0,80. Donc en clair, ces contrats pétroliers en bénéficient aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a quelque chose d'intéressant ici qu'a fait le WTI, c'est cette jambe de reprise, ici entre 80 $ et 84. Depuis, donc on a fait une espèce de petit retracement de cette première jambe. Et en effet, on peut envisager que tant que ce marché tient désormais les 81,75, qu'il soit en mesure de remettre une jambe. Alors, jusqu'où cela peut nous mener? Écoutez, on va utiliser ici cet outil d'extension et que je vais reporter au point bas de cette jambe, ce qui permettrait d'envisager une reprise en direction des 86 $. Là, on est vraiment sur des charts intraday, puisque sur des horizons de temps supérieurs, ça reste quand même complexe pour le moment d'envisager davantage de reprises sans avoir vu un WTI tester les 77 $, qui correspond en fait à ce gros niveau horizontal qui m'intéresse en vue un jour d'avoir la formation d'une vraie figure de creux. Mais pour le moment, on a une tendance en intraday. En fait, depuis le 16 octobre, donc ça dépasse le stade de l'intraday, on peut même dire à court terme, qui est favorable. On a ici la mèche, ici un chandelier 4 heures hier, qui confirme quand même qu'il y a eu de l'intérêt acheteur ici entre 80 $ et 83 $. Alors maintenant, pour les stratégies d'achat, je pense qu'elles peuvent être. J'aimerais pas en fait voir le WTI clôturer désormais sous 81,75, mais tant qu'on tient 81,75 en clôture H4, on peut envisager en effet une poursuite de ce rebond.
et aller chercher donc ces 85-86 $ ici sur l'US Oil. Sur le pétrole britannique, au fond, ces deux marchés sont construits de la même façon. C'est-à-dire que voilà, maintenant on a un niveau de support ici, pareil, sur ces chandeliers 4 heures qui existent, alors non pas à 86, mais à 85 $. Tant que ça tient, on peut, vous voyez, on avait ici un beau chandelier 4 heures, ici le 16 octobre, on peut envisager ce marché en mettre une. Donc en remettre une, c'est-à-dire aller chercher 88 ou 88,50. Tant qu'il tient, c'est 85. Alors, l'once d'or en données, j'utiliserai de toute façon que ces graphiques en données 4 heures pour les commenter. L'once d'or, lui, c'était un mouvement quand même bien construit. Depuis les 1180 $. On a un canal de reprise ici qui était assez attractif. Les cours sont sortis, on le sait, par le haut de cette espèce de structure en drapeau, c'est pas mal. Après, voilà, le mouvement, il se poursuit, il continue. On peut maintenant considérer que ces 1245 font à nouveau office de support. Tant qu'on tient le canal, ce mouvement peut se poursuivre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tant qu'on tient ce canal de reprise, le mouvement peut se prolonger donc en direction de ces 1265-1270. Les indices en intraday. Alors là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant et je vais les regarder justement de près. Ce sont les mêmes, hein, qu'on prenne le CAC, le DAX ou ici l'Eurostoxx 50 en intraday, ce sont les mêmes. Trois marchés ont formé des supports intraday, 3963 ici sur le CAC. 8681, 8680 en fait, hein, sur le DAX et 2905 sur l'Eurostoxx 50. Des niveaux qui ont bien fonctionné ce matin à l'ouverture. On reste donc dans ce marché de rebond technique, de pullback, qui vient retracer cette phase de baisse qui a eu lieu entre la mi-septembre et la mi-octobre. Et les lignes de couche, je vous les ai rappelées donc tout à l'heure, enfin les objectifs importants que ce marché peut atteindre, notamment donc sur le CAC. La zone comprise entre 4100 et 4150 points. Sur le DAX, il y a une ligne de tendance qui m'intéresse et qui se trouve ici, en fait, qui couvre les cours depuis le 19 septembre et qui en fait passe à 9000, à 8950, 9000. Et enfin, sur l'Eurostoxx 50, c'est cette zone comprise entre 3000 et 3040 points. Pour les achats d'indices, il fallait suivre Nicolas ce matin. Il fallait suivre Nicolas ce matin, c'était lorsque le marché testait 3960. Ou encore ces 8680 ou encore les 2900 du DAX, vous n'y êtes pas, c'est même pas la peine de rentrer maintenant. Il n'y a clairement aucune raison de rentrer maintenant, le timing n'est pas là. Alors pour le DAX 30, alors voilà, pour le DAX 30, j'entends parler en données 4 heures d'une structure en épaule, tête-épaule inversée, soit. On peut envisager cette figure, sauf que si je compresse un peu l'historique des prix, cette structure en épaule, tête-épaule inversée en données 4 heures, elle a quand même au-dessus de sa tête une gigantesque tête-épaule qui a duré 6 mois. Alors laquelle gagne? Soit cette figure, soit cette toute petite figure que construit le marché depuis le 13 octobre. Donc en clair, jouer une accélération en cassure des 8009, 9000, moi je n'y crois pas. Je ne défends pas et je pense au contraire qu'il s'agirait plutôt d'une mèche qui sera assez rapidement vendue par le marché. Après, je me trompe peut-être. En tout cas, voilà donc pour l'instant où on est ce marché. Et donc je surveille toujours donc ces résistances. Nous verrons bien la clôture weekly. Maintenant sur le CAC 40, sur le DAX ou encore l'Eurostoxx 50, pour savoir combien de temps va durer le rebond technique, toujours sur la base de ces chandeliers 4 heures, vous pouvez prendre les lignes de tendance qui sont en place depuis le 16 octobre. Alors sur le CAC, on voit bien où est-ce qu'elle se situe. La voilà, donc cette ligne de tendance. Et finalement, je pense que la compression, elle va se réduire. Puisque nous avons cette ligne de tendance ici sur le FRA 40. Et puis donc ce puissant niveau horizontal sur le CAC, je pense qu'on va travailler ici. Mais clairement, à un moment ou à un autre, lorsqu'on sera dans cette zone, je pense que cette ligne de tendance ici cédera sur le CAC. On a la même chose donc sur le DAX, bon, sauf que je ne l'ai pas tracé, mais je peux essayer de la tracer. Et je pense en fait que voilà, ici on va avoir voilà la mesure qu'on va se. Je pense que ça va comprimer ici et que et finalement cette ligne de tendance ici la franchir cette semaine. On verra, pourquoi pas, honnêtement je n'en sais rien, c'est quelque chose qui est envisageable tant qu'on tient ici cette ligne de reprise depuis le 16 octobre. Après, sur mes graphiques de long terme, ce qui compte, ce sera la clôture weekly et notamment la façon dont ce marché, eh bien, clôturera vendredi
de part et d'autre de ces résistances majeures. Et notamment donc ces 9000, 9050 du DAX, 4100, 4150 du CAC, 3000, 3040 de l'Eurostoxx 50. En tout cas, ce sont les niveaux de vente les plus évidents. Ils n'en existent pas avant. Alors, l'euro-dollar est-il passé d'un triangle à un autre? Autant vous dire que ce qui se passe sur l'euro-dollar depuis le début du mois d'octobre, c'est compliqué. Pourquoi? C'est le dollar US qui digère. Le dollar US qui a fermement monté depuis le 1er juillet, le dollar américain respire. Mais regardez un peu cette phase de consolidation, c'est un espèce de canal. Il n'est pas plat, il est légèrement descendant et on a exactement le même ici sur l'eurodoll. Alors l'eurodoll, c'est toujours sur ces graphiques en données 4 heures, un espèce d'enchevêtrement de figures chartistes, mais elle est aussi extrêmement compliquée à attraper. On avait cette première jambe de hausse. Alors à un moment, on a pu défendre ici une structure en épaule, tête épaule inversée. Finalement, le marché revient dessus. Après, on envisage ici un canal haussier en données 4 heures sur l'eurodoll, qui est toujours actif d'ailleurs, puisque c'est le même qu'on retrouve ici sur l'US dollar index. Et à l'intérieur de ce canal, un triangle symétrique, les cours en sortent par le haut. Finalement, on effectue un certain nombre de pullbacks. Et puis, on envisage un autre triangle ici, cette fois-ci qui serait encore sur le plan chartiste, un triangle rectangle, un triangle haussier, avec cette ligne de tendance ici sur l'eurodollar et cette résistance à 1,2840. Bon, en clair, au-dessus ici des 1,2730, c'est plutôt une zone d'achat sur l'euro dollar. Clairement, hein, tant qu'on tient ce canal de reprise, j'envisage davantage une zone d'achat. Donc là, si votre question est de savoir quel est actuellement le timing serait orienté dans quel sens ici sur l'euro dollar, en ce qui me concerne, je dirais l'achat. Hein, il n'y a pas photo. On est clairement dans des zones où peut se manifester un intérêt acheteur, en respectant bien la construction graphique de cette phase de reprise ici depuis les 1,25. Et donc voilà, tant qu'on tient. Alors pourquoi 1,2710, 1,2730? 1,2710, c'est la partie basse de ce canal, ici, de reprise, en place depuis les 1,25 dollars. Et puis 1,2730, c'est à nouveau un test de cet ancien triangle symétrique. Mais en tout cas, voilà, ce que je pense, c'est que nous sommes ici dans une zone plutôt d'achat sur l'euro dollar. Et à ce moment-là, donc il serait protégé par un stop en dessous ici de ce canal de reprise en place depuis le 3 d'octobre. Donc voilà plutôt comment je vois le timing là, à court terme sur l'euro dollar. Paraît plus intéressant d'envisager un achat au niveau actuel des cours. Le GBP USD en données 4 heures, il m'a plutôt impressionné, GBP USD, puisque j'avais donc une compression. On en est sorti par le haut, on a fait une stabilisation à plat sur la compression à 1,68 à 1,6080. Depuis 1,59, je visais 1,62. Le marché a fait 1,6186. Alors clairement, par rapport à des achats qui ont pu être effectués sur les 1,59, il est clairement naturel de prendre des bénéfices. Il y avait aussi quelque chose qui, moi, m'intéressait. C'était sur le RSI 4 heures du GBP USD. On était sorti par le haut d'un biseau descendant. À ce moment-là, on vise eh bien, un RSI capable de rejoindre le niveau des 70, c'est ce qu'il a fait ce matin. Cependant, le GBP/USD reste encore bien orienté. On a une ligne de tendance qui couvre les cours depuis les 1,71, 75, en fait depuis les plus hauts. Et un point de contact, ce serait en fait un test pile poil des 1,62. C'est pour ça que je visais les 1,62. Et aujourd'hui, il ne fait pas grand-chose le GBP/USD. Il fait une espèce de petite conso latérale, un petit flat. Et il ne fait pas grand-chose. Voilà. Alors, donc, l'eurodoll entre 1,2730, c'est déjà quelque chose qui est. En fait, 1,2710, 1,2730, moi je trouve ça intéressant. Enfin, je pense qu'on a un timing. En tout cas, c'est une zone de prix où on peut gérer son risque dans le sens où le risque serait limité puisque le stop il se situe juste en dessous à ce moment-là des 1,27. Je n'aimerais pas voir une clôture 4 heures sous les 1,27. Ce serait hautement compliqué ici pour l'avenir de l'eurodoll. Mais voilà, là on est plutôt dans la partie basse d'un nouveau triangle, si on peut parler d'un nouveau triangle. En tout cas, bon, je vous ai expliqué ce que je pensais ici de l'euro-dollar sur ce chandelier 4 heures. Alors,
Hier, il est vrai qu'on avait beaucoup envisagé le cas du dollar australien. Dollar australien, j'ai jeté un œil à l'indice de devise. Il n'y a rien aujourd'hui de directionnel. Par contre, à très court terme, on a un intérêt acheteur suite à la publication des chiffres de la croissance économique en Chine qui sont globalement ressortis conformes au consensus. Mais là aussi, lorsque j'étudie le dollar australien en tant qu'indice de devise, ça reste quelque chose d'extrêmement peu lisible. Ça continue de glissoter, mais un peu moins. Bref. C'est pas exceptionnel. Alors, on avait sur l'euro AUD en données 4 heures une ligne de tendance qui a été cassée. Donc, c'est cassé, c'est fait, c'est oublié. Ce n'est plus une zone attractive, cette ligne de tendance. Cependant, une autre zone m'intéresse, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Et je commence d'ores et déjà à la surveiller. C'est cette oblique ici en données 4 heures qui joint tous les bas de marché depuis le 16 septembre. Et qui passe à l'heure actuelle à proximité des 1,4370, 1,4375. Donc je commence déjà à surveiller cette zone. Je pense que l'euro AUD évolue désormais dans un espèce de canal. Alors, depuis le 16 septembre, qui est au fond plutôt. Qui marche plutôt bien parce que en fait cette ligne ici, c'est justement une ligne de canal. On a ici cette ligne de tendance qui attrape ces deux bas de marché. Lorsque je la reporte ici au sommet, on voit que ça attrapait le point haut ici. Donc voilà, c'est plutôt ça maintenant que je surveille. Donc je n'y intéresse pas à court terme. Même si 1,4445 peut sembler support, je pense que c'est davantage la médiane de cette nouvelle figure. Donc là aussi, j'attends désormais un test de cette zone ici sur l'euro AUD. Alors, le GBP AUD a été envisagé hier avec une zone d'intérêt précisée à 1,8330. Le marché se trouve toujours sur 1,8330. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà la pattern que j'ai en 4 heures, un canal, on est en plein milieu. On a en effet cette zone. On a une zone ici. On voit que le marché tient hein, sur la base des cours de clôture. Voilà ce que nous fait finalement l'euro, le GBP AUD. Un rectangle. Sous, c'est un 80-80. Les stats relatives à l'AUD, elles sont passées. Voir le GBP AUD sortir par le bas de ce range et carrément retomber ici en direction des 1,81 serait deux choses. Soit un mouvement de vente sur le GBP, soit un réel attrait pour l'AUD. Il y a un attrait pour le dollar australien depuis hier, mais cela reste un attrait hautement relatif. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que ces 1,83 sont à court terme plutôt une zone de support ici sur le GBP AUD. Elle est horrible cette phase de consolidation du dollar américain. Elle est extrêmement usante. Dollar US, il nous avait habitué à un marché hyper directionnel jusqu'au 3 octobre. Cette phase hyper directionnelle, à un moment ou à un autre, on pouvait s'attendre à un retracement. Eh bien, nous avons un retracement, mais regardez le retracement, la forme de ce retracement. C'est vraiment complexe. C'est un canal à faible pente. Aussi difficile finalement à attraper. Que ces mouvements de l'euro-dollar ici depuis la 1,25. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait sur le FX? Pourquoi au fond ces mouvements ont tant changé? Il y avait quelque chose qui s'était imposé tout au long de l'été, un environnement monétaire très limpide. C'était clair et net. On y voyait clair comme de l'eau de roche. On savait que la Fed allait augmenter ses taux, supprimer son QE. On savait que l'Angleterre, enfin la Banque d'Angleterre allait augmenter ses taux. On savait ce qu'allait faire la Banque Centrale Européenne. On sait toujours ce que va faire la Banque Centrale Européenne. Par contre, les pistes sont brouillées lorsqu'on étudie les cas de la Fed et de la Banque d'Angleterre. Alors, il y a toujours une divergence des politiques monétaires, mais c'est nettement moins marqué. Il y a des membres qui s'expriment, qui appartiennent à des comités de décision, justement, de ces banques centrales, qui émettent des avis divers et variés. Et ça brouille clairement les pistes. Alors ce thème n'a pas disparu, mais nous avons malgré tout dans les mots une forme de marche arrière de la Banque d'Angleterre et de la Fed. Et le marché n'y voit pas encore très clair,
D'où cette difficulté d'appréhender la consolidation et la forme de la consolidation actuelle du dollar américain depuis 2 semaines. Et donc, à horizon 6 mois, les perspectives de la politique monétaire deviennent hautement incertaines. Et clairement, cela rend extrêmement compliqué la lecture en tendance d'un certain nombre de paires de devises qui sont composées justement du dollar US. En données 4 heures, là aussi l'USD-Yen, il va falloir vraiment le décortiquer sur le plan de chartiste. Tout a commencé par cette structure ici en porte-voix entre 110 et 108. On sort par le bas, ok. Il y a eu aussi un attrait pour le yen japonais. Le yen japonais qui a fait un beau mouvement haussier pendant 3 semaines, qui a rejoint ses sommets annuels. Et maintenant, qu'en penser? Aucune idée. L'indice devise, il est désormais au milieu de nulle part. Il est difficile de dire ce que fait maintenant le yen, qui au fond reste plutôt dans quelque chose, plutôt un range hein, depuis le début de l'année. En tout cas, l'USD yen, malgré tout, je pense que sous les 107,50, il peut rester sous pression. Qu'est-ce que ce marché construit? Nous avons là aussi une espèce de compression qui se met en place. Et ça ressemble beaucoup au fond aux indices. Pourquoi ça ressemble aux indices? Parce que nous avons depuis le 16 octobre une ligne de tendance de reprise et au-dessus de nos têtes un niveau de résistance important, qui en fait est la partie basse de cette ancienne structure ici de distribution. Cette pattern en porte-voix ici sur l'USD Yen. Alors, je pense que ce marché peut tester ici cette ancienne oblique. Alors, elle passe actuellement. Je pense que 107,50 c'est quand même un niveau extrêmement solide pour l'USD Yen. 107,50 c'est là où j'envisagerais de mettre en place un ticket vendeur, mais pas avant. C'est le niveau qui me paraît le plus propre. C'est l'ancienne partie basse de cette structure d'élargissement. Et c'est aussi ici, on avait une ligne de tendance en place depuis le 8 août 2014 et qui a maintenant changé de rôle, en fait, qui fait office de résistance. Et on a donc ce niveau ici horizontal. Et finalement, tout converge en un point, cette zone-là. Voilà, les 107,50. Mais là, au niveau actuel des cours, au milieu de ça, que voulez-vous faire? Ça reste extrêmement compliqué. Alors, dans les paires majeures, c'était plus ou moins globalement ce que je voulais vous dire. Je remontre ici le cas de ce GBP. Le GBP, vous devez bien garder à l'esprit que le timing n'est plus à l'achat. Le timing était à l'achat le 14 octobre, il l'était le 16 octobre, ou encore même les 16 et 17. Et puis éventuellement lorsque ce marché faisait une conso à plat ici sur les 1,60-80, donc le 20. Désormais, on approche de cette oblique ici de résistance. Est-ce que le marché sera en mesure de la franchir? Je ne sais pas. Mais le premier support que je vois là, ligne d'intérêt désormais, ce sont les 1,60-80. Alors vous avez d'ailleurs un point qui résume bien la situation, cette espèce d'opposition des horizons de temps sur la livre sterling, qui se trouve donc sur notre site. Alors, il est 15h47, je jette malgré tout un œil au calendrier puisque je voudrais être certain quand même de l'heure de publication des différents chiffres. C'est donc à 16h. Alors à 16h, le marché attend deux choses. Donc ce sont des chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis, donc l'immobilier existant, c'est le terme qui est utilisé ici sur ce calendrier économique, mais bon, il s'agit des biens immobiliers qui existent déjà, donc ça appartient à l'ancien, c'est pas dans le neuf, quoi. Alors, deux choses. D'une part, les constructions exprimées en milliers d'unités, et puis donc le taux de variation mensuelle. Le consensus, le voici, 1% de croissance, et donc 5 100 000 logements dans les ventes dans l'ancien. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont attendus. Je pense que, étant donné que désormais les politiques monétaires sont moins limpides, le marché sera beaucoup plus sensible à des indicateurs de conjoncture économique standard. Alors par standard, j'entends ceux qui sont régulièrement publiés sur une base mensuelle.
C'est-à-dire que le marché n'attendra pas forcément des banques centrales ou des réunions de comités de politique monétaire pour décaler vivement. Dès lors que l'incertitude monétaire a regagné un cran, alors qu'elle l'avait perdu tout au long de l'été. Donc ces chiffres, dans l'immobilier US, à 16h, je pense, peuvent impacter le marché. En termes de timing, vous avez bien compris que ça reste quand même compliqué. Ah, nous n'avons pas évoqué par contre le cas de l'AUD-USD, alors voilà quelque chose qui m'intéresse. L'AUD-USD aurait-il, sur les 0,8660, non pas construit une figure de pause latérale, mais plutôt une figure de creux? Faut pas s'emballer, là aussi. Je vous rappelle ce qui s'était passé sur l'AUD-USD. Ce marché a construit une énorme épaule tête-épaule, ici, entre 0,92 et 0,95. On a suivi une des plus belles phases directionnelles du mois de septembre. D'ailleurs, vous pouvez utiliser l'indicateur technique ATR pour constater que cette phase directionnelle de l'AUD-USD entre le 9 septembre et le 1er octobre a été très marquée. L'indicateur suit une pente haussière parfaite. Par contre, voilà, on n'a jamais effectué de réelle reprise technique. Alors de là, rechercher la ligne de couche, je n'y crois pas. Cependant, voilà le topo. Il y a deux écoles. La première, je dirais même trois. La première pense que ce marché construit un simple range, ici entre 0,8660 et 0,89. La seconde, encore plus neutre, pense que ce marché construit plutôt un triangle, ici. Et donc le marché testerait actuellement la partie haute du triangle. Et enfin, je dirais, la troisième école, la plus agressive, pense que ce marché construit un diamant. Voilà, c'est la figure qui est évoquée depuis quelques temps, c'est une figure qui fait parler d'elle parce que les gens l'aiment bien. Le diamant et la tête-épaule, c'est les figures chartistes dont tout le monde parle. Ça tombe bien, la UD, il y a une grosse tête-épaule tout en haut, et donc potentiellement une structure comme ça, en diamant, au-dessus des 0,8660. Alors autant vous dire que si cette figure est juste, la moindre clôture 4 heures au-dessus des 0,8860 et ce marché monte à 0,90. Donc voilà, je pense que j'exclurais, je pense qu'il n'y a pas de triangle. Il n'y a pas de triangle symétrique. Donc en ce qui me concerne, je vois deux possibilités sur la UD-USD. Étant donné que je vois l'euro AUD baisser davantage, je vous ai présenté tout à l'heure un canal à faible pente sur l'euro AUD. Sur l'AUD-USD, et c'est pas évident, je fais de mon mieux là pour essayer de décortiquer ces mouvements qui sont complexes sur le FX. Il y a deux possibilités. Soit il faut vraiment pas s'emballer et ne pas exagérer avec le diamant, c'est juste un rectangle. Soit en effet on a cette puissante figure et ça on sera très vite fixé puisque si c'est le cas, c'est hyper impulsif comme figure. On voit que le marché en données 4 heures sur l'AUD-USD ne fait plus rien. Les derniers chandeliers 4 heures, c'est une vol de 20 pips. Donc, il y a quelque chose qui peut se préparer ici, sachant que on a à 0,89 quelque chose de fort. Donc voilà, c'est plus ou moins comment dire, le décortiquage que je peux vous proposer ici sur l'AUD-USD. Et au fond, je pense qu'on peut aussi utiliser l'euro AUD. Qui, eh bien, somme toute, je pense, va se replier en direction des 1,43,70. Alors, en effet, envisager 0,89 sur la UD-USD, c'est clairement c'est quelque chose qui est parfaitement envisageable. En tout cas, vraiment surveiller donc cette oblique. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un triangle ou d'un diamant, peu importe, on a l'oblique de résistance ici en données 4 heures sur la UD-USD qui passe actuellement sur les 0,8830. 0,8830, c'est un seuil important. En dessous, marché n'ira pas plus haut. La moindre clause H4 au-dessus des 0,8830, c'est 0,89 très rapidement. Au-dessus de 0,89, 1,0,90. Mais voilà, je n'irai pas. Faut pas s'emballer sur cette histoire de diamant. Faut pas exagérer. Je verrais plutôt un rectangle 0,8660, 0,89. Et l'USDN, si je dois mettre un ticket vendeur, j'attends 107,50. Alors maintenant, le cas du NZDUSD. Je pense que là, je vous aurais vraiment tout décortiqué sur ces graphiques intraday. Le NZDUSD, là aussi, ça fait beaucoup parler de lui. Quelle est la figure qui est construite? Flag de reprise,
Biseau, moi je pense que c'est plus un biseau ascendant. Si je dois envisager quelque chose sur le NZD/USD, ce n'est pas avant les 0,8050. Pourquoi 0,8050? Parce que ce serait la partie haute de cette structure de reprise en biseau. C'est le niveau horizontal à 0,8050. Et attention, il y aurait un excès possible. Alors là, ce serait, je pense, juste parfait. C'est cette ancienne ligne de tendance, alors que j'ai quand même tracé sur le graphique en données 4 heures, et qui en fait passe à 0,81. Alors, une mèche de marché en séance à 0,81, ce serait quand même parfait. Mais bon, je pense que si un intérêt vendeur doit se manifester, ce sera entre 0,8050 et 0,81 sur ce marché, au même titre que les 107,50 de l'USD/Yen, par exemple. Enfin, les mouvements sont pas évidents, donc là je vais vraiment essayer de faire ce que je peux pour les décortiquer dans tous les sens, ces paires de devises. Bon, il est 15h54, je vais donc pas vous laisser maintenant, ce serait pas très loyal, hein. Les chiffres tombent dans 5 minutes, donc je vais les accompagner avec vous. En attendant, je vais donc jeter un œil à vos commentaires et partage de graphiques, en laissant ici l'euro-dollar, le DAX, qui représentera la tendance des marchés actions en Europe. Et on va mettre l'AUD/USD. Voilà. Celui-là est plutôt pas mal en données 4 heures, puisqu'on surveille donc cette figure. Alors, on verra bien de quoi il s'agit. Alors, donc, c'est étonnant. Alors non, pourtant tout est à fond. Faudrait que je jette un œil. Il y a peut-être un petit souci avec mon micro. Bon, pourtant j'ai vraiment tout monté à fond. Je peux encore monter ça comme ça. Voilà, là ce sera encore plus fort, je pense. Alors, une question sur l'Eurocad. Alors l'Eurocad, je pense que c'est alors compliqué maintenant de l'envisager. Je vais malgré tout aller vous le chercher. Allez, on va le prendre sur ce graphique. Alors déjà, il suit plus ou moins le même destin que l'euro AUD ici, en données 4 heures. Alors votre question est de savoir s'il s'agit d'un pullback, et bien c'est ce qu'on va immédiatement vérifier en traçant donc cette oblique, cette ancienne oblique. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est plus simple, on va monter d'un horizon de temps. L'Eurocad, il est resté en position sous ces 1,45, ça c'est certain. La voici, l'oblique. S'agit-il d'un pullback? Le graphique weekly semble l'indiquer, mais je pense qu'il faut être prudent. La voici, l'oblique. Voilà, on est pile poil, en effet, dessus. Alors c'était ce niveau dont je vous avais parlé. Là, l'oblique peut sembler mal tracée, mais en fait, elle est... Elle est tracée sur le weekly, donc je vais essayer de bien l'ajuster sur ce graphique en données 4 heures pour voir exactement où ça passe. On est dessus, voilà. Mais honnêtement, c'est quand même c'est complexe. Honnêtement, c'est compliqué. On aurait éventuellement un timing, mais c'est un peu dérangeant. C'est 1,45, c'est quand même un niveau qui a bien couvert les cours. On aurait éventuellement un timing, et encore. J'aimerais au moins voir le marché commencer à construire un creux, des diffs. Enfin, vous comprenez que c'est compliqué là. C'est compliqué là. Elle est compliquée cette paire de devises. Alors, l'euro dollar 1,2710, 1,2730, c'est vraiment l'ultime rempart. 1,2710, 1,2730, je vais le mettre ici en plein écran. Voici la zone. On a ici une ligne de tendance. Alors, en données 4 heures, le champ de données 4 heures se déploie ici entre 15h et 19h. Ça reste une oblique 4 heures. Je pense qu'on peut oublier la formation d'un triangle ici sous les 1,28. 44, 1,2710, 1,2730, c'est l'ultime zone. 1,2710, 1,2730. On en sort par le bas, il s'agissait d'un flag.
Nous verrons bien. Je pense que nous sommes dans une zone, 1,2710, 1,2730. C'est l'ultime rempart, je dirais, pour ce marché qui est en reprise depuis le 3 octobre. Alors, les chiffres vont tomber. On va même pas les regarder en fait, les chiffres. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Il y a un taux de variation en mensuel, il y a un nombre d'unités construites dans l'immobilier ancien. On va se contenter de regarder l'impact sur le marché. Comment est-ce qu'on va regarder ça? On va mettre ici l'US dollar index en données 4 heures, la paire euro dollar qui est bien donc approche de cet ultime rempart 1,2710, 1,2730, le DAX 30 qui me paraît finalement de tous les indices européens peut-être celui qui est le plus propre, je trouve. Sur le plan d'analyse technique, un poil plus que le CAC 40, je trouve. Et on va pas mettre l'Eurocad parce que là, il va pas nous intéresser, ni le câble. Mais je serais en fait curieux de voir la réaction de l'AUD/USD. C'est en fait la paire de devises qui m'intrigue le plus à l'heure actuelle. Parce qu'au fond, ce qu'elle a construit ici au-dessus des 0,8660, c'est quelque chose qui s'est affiné petit à petit. Et finalement auquel on peut commencer à croire, mais bon, voilà, tout va dépendre de ce qui va se passer de part et d'autre de ces 0,8830. Je laisse ces trois chartes et nous regardons l'action des prix. Alors, je note déjà donc vos idées, donc l'euro-yen. Donc l'euro-CAD, on vient d'en discuter. Ok, donc Julien, a priori, le son est impeccable, donc il n'y a pas de souci. L'AUD/USD, naturellement, il y a une majorité d'acheteurs, donc ça ne milite pas hein, pour une envolée. Donc c'est pour ça, 0,89, je pense que si jamais il y a... Enfin, je ferais plus un rectangle. Après, voilà, la spéculation sur les figures chartistes, je préfère être prudent. Alors, au vu de la réaction sur le dollar US et l'euro dollar, je pense que c'est des bons chiffres. Je pense que ce sont des bons chiffres puisque là, globalement, le dollar US est acheté. Pourquoi? AUD/USD fait un micro-rejet depuis les 0,8830. Donc, toujours en fait, finalement, dans la partie haute de ce qui pourrait être un triangle symétrique. L'euro dollar eh bien, retombe en direction donc, de la partie basse de ce canal de reprise en place depuis 1,25. L'US dollar index, c'est pas non plus. Bah, la vol, elle est franchement. Voilà, là je compresse un peu. Vous voyez donc ce canal de baisse sur le dollar index depuis le 3 octobre, un canal baissier depuis les 11 140 points. Eh bien, on est pile poil au milieu. On est en plein milieu de ce canal de baisse. Donc on n'a pas non plus une statistique qui permet là. Et quant aux indices boursiers, bon, le DAX, lui, pour l'instant. Il y a un niveau sur le DAX qui est important à 8 880 points. 8 880, c'est en fait c'est un niveau horizontal. C'est pas forcément le, c'est pas les 8 900 ou les 9 000. Hein. Mais voilà, c'est un niveau horizontal qui peut alors s'apparenter à une espèce de ligne de coup de ce que ce marché essaie de construire ici en données 4 heures. Je vais quand même regarder les chiffres, voir s'ils sont exceptionnels. Ils sont pas mal. Voilà, 2,4% de croissance, le marché attendait 1%. Et 5 170 000, le marché attendait 5 100 000. Donc il ne faut pas se mentir, ce sont des bons chiffres pour l'économie américaine, des bons chiffres donc pour le dollar US, mais qui lui non plus ne réagit pas de manière... Il n'y a pas d'envolée là hein, sur le dollar US. Donc il reste pour l'instant dans cette compression descendante en place depuis depuis le 3 octobre et donc les 11 135. L'euro dollar, on sera bientôt fixé, il va approcher les 1,2710, 1,2730, c'est l'ultime rempart. Et si je prolonge la souris, donc enfin la partie basse du canal, ouais, c'est ça, c'est 1,2710. On va tomber en plein dessus. Après, ça reste quand même baissier, donc là, et on va arriver en plein dessus. Verrons bien la réaction des cours. Voilà, c'est cette zone-là. Alors.
Donc le câble, nous l'avons envisagé tout à l'heure. Oui, donc le câble est assez résilient, mais c'est parce qu'on attend beaucoup de chiffres cette semaine. Alors, je crois que ça commence dès demain, et c'est surtout vendredi avec les chiffres du PIB. Alors, qu'est-ce que je pense de l'IBEX? Alors, j'ai pas forcément un chart à jour sur l'IBEX. J'en pense exactement la même chose que le CAC, le DAX ou encore l'Eurostoxx 50. Nous sommes dans des marchés de reprise. Je connais pas par cœur les niveaux sur l'IBEX et le MIPS, ce sont des marchés que je suis un peu moins. Mais allez, je vais vous répondre, on va le regarder ensemble, c'est parti. J'y vais. Je vais aller le chercher. J'avais quand même des graphes weekly à jour, donc je vais aller les chercher. Alors un instant. Alors l'IBEX. Alors l'IBEX, alors déjà il y a un truc qui il y a quelque chose qui est intéressant sur l'IBEX, c'est qu'en weekly, il a tenu la ligne de tendance en place depuis juillet 2012. Alors ça c'est plutôt pas mal ce qu'a fait l'IBEX. C'est une configuration qui est quand même différente du CAC ou du DAX. C'est même un peu plus attractif au fond, puisque là on a tenu ce canal en place depuis juillet 2012 en données hebdomadaires. Il se replombe plutôt bien. Il y a un niveau, c'est un niveau de résistance ici à 10 100 points. Alors le marché peut clôturer en dessous en semaine. Mais pour l'instant, qui tient bien, je dois admettre qu'il est quand même un peu plus fort. Même ici, en données 4 heures, c'est quand même nettement plus fort. On est en train de retracer donc cette phase de baisse. Il y a une oblique en données 4 heures sur le DAX qui est intéressante. Et je pense que je peux vous trouver la même chose ici sur l'IBEX. Et donc, je pense que voilà, l'oblique de résistance, elle passe à 10 280. Donc là, on a une belle tendance intraday sur l'IBEX. Et moi, ça ne me choquerait pas que ce marché soit en mesure de rejoindre les 10 280. 10 280, ce qui correspond aux 4 100, 4 150 du CAC, ou encore aux 9 000, 9 100 du DAX, ou encore aux 3 040 de l'Eurostoxx 50. Voilà, donc je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. J'ai abordé donc tous les actifs sur lesquels vous avez souhaité que l'on parle. Alors vous dites que ces chiffres sont un non-événement visiteur. On a malgré tout. Alors certes, sur le dollar, on n'a pas une réaction significative. Le dollar ne fait rien. Par contre, on a sur l'euro-dollar quand même, ok, en données 4 heures, mais malgré tout, une réaction. Et c'est un marché qui approche de la partie basse de son canal de reprise en place depuis les 1,25. Donc, nous verrons bien. Mais voilà, les 1,2705, 1,2710 peuvent. C'est une zone de prix qui peut attirer des acheteurs qui seront là servis par le timing. En tout cas, qui positionneront leur stop juste en dessous de la partie basse du canal. Et en effet, les indices boursiers, il n'y a pas une volatilité excessive. Suite à la publication de ces statistiques. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Il a été enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure environ. À 18 h, nouveau rendez-vous ici même pour un webinaire, donc en salle de trading. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain à partir de 15 h15. Merci à tous et à demain.